Ludo, t'as une meuf? Hein? Comment ça, une meuf? Bah oui, tu sais ce que c'est, une meuf, tu sais. Une paire de seins avec deux bras qui s'agitent autour et une frange, par exemple. Une meuf, quoi. À qui tu viens d'écrire un message en disant « À chaque fois que je lis tes textos, mon cœur s'embrasse. » C'est à personne, enfin, c'est à ma soeur. Ludovic, don't fuck with me, man. Who's that girl? Perrine, je l'ai rencontrée sur mon forum de passion médiévale. Mais c'est juste une relation épistolaire, c'est tout. Genre avec des flingues et tout? Non, avec des lettres. Mais je l'ai jamais vue, on n'a pas échangé de photos, ça fait juste 3 mois qu'on chatte. Mais ben, je crois que je suis amoureux, quoi. Enfin, ça m'a jamais fait ça, c'est... Ok, et t'attends d'avoir un sonotone pour la rencontrer? Imagine, c'est un fennec, quoi. Je veux pas précipiter les choses. Genre, si c'est un fennec, la meuf, ça veut dire qu'elle pue et qu'elle est hyper moche, quoi. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que t'as fait, là? Je viens de te filer un coup de main, mon petit Ludo. Tu me remercieras plus tard. T'as rendez-vous demain. Ça va pas, là, pourquoi? Ah, moi aussi, je te donne un coup de main, mais à ma façon. C'est marrant. Putain, mais détends-toi, là. T'es tout transpirant. Tu vas friser comme un brocoli, mon gars. Bon, Slim Perrine arrive dans 10 minutes, là. Tu vas pas rester là. Ah, ok, ok. Bon, bah, je me casse, hein. Non, 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 reste là. Reste là, là. Je me sens pas bien, là. Je palpite. Non, je crois que je vais laisser tomber, en fait. Vaut mieux que ça reste un fantasme, sinon ça va être un fiasco, je le sens. Bon, tu lui as dit quoi? Je lui ai donné rendez-vous ici à 16h, et je lui ai dit comment j'étais habillé, au cas où. Bon, bah, déshabille-toi, alors. Non, mais t'es malade, je vais pas l'attendre à poil. Non, mais... Écoute, calme-toi, Landive, parce que là, tu m'écoutes pas, c'est agaçant. Hein. Moi, je vais prendre ta place, d'accord? Toi, tu vas aller te cacher dans un fourré, derrière, et si elle te plaît et que tu trouves que c'est pas un fennec, on trouvera un plan. Ok, t'es peut-être sûr. Non, mais faut pas que tu le dises n'importe quoi non plus. Hein. Non, mais c'est une très mauvaise idée, en fait. Mais en même temps, comme je palpite... Écoute, fais confiance à Jean-Pierre, j'assure, ok? En plus, t'as de la chance, j'ai mis un caleçon aujourd'hui. Comment elle s'appelle, déjà? Pégase. Non, Perrine. Ouais, c'est kiff kiff. C'est marrant, mais je t'imaginais plus... Andive, c'est une rumeur. Non, mais parce que, en fait, tu sais, j'avais un peu peur de venir. J'avais peur que tu sois déçue. Oula, non, là, hein, faut pas, hein. T'es sacrément séduisante. Je pensais que le physique, c'était pas important pour toi. Ah bon? Ah bon? Ah non, non, mais effectivement, j'en ai rien à foutre. Enfin, je m'en moque. Du physique. T'es pas obligée d'être charmante à tous les étages, moi je suis pas très regardant, tu sais. Attends, c'est vraiment toi Ludovic là? Non! Non, non, non! Non! C'est moi. C'est moi. Je suis désolée, j'avais peur. Enfin, que toi tu sois déçu. Et du coup, c'est pour ça que j'ai demandé à mon pote s'il pouvait venir. Tu non! Vois. Non! C'est moi Ludo! Enfin, Pégase! Tu me reconnais pas? Mais Sim, qu'est-ce que tu fais là? T'es censé m'aider? Putain, mec! Hey, c'est moi qui ai fait tout le boulot là, hein. J'étais à deux doigts de conclure avant que t'arrives. Eh, hey, franchement, je sais pas lequel de vous Ludo, mais il s'est vraiment foutu de moi. C'était trop beau! Ça va, fais pas la gueule, c'était une hystérique. Tu veux me filer un coup de main, là? Tu vas voir, ça va te détendre. T'as raison, ça va mieux. Hein? Si je peux aider. Alors? Elle est comment, la petite Perrine? Elle ressemble à un fennec? Un très très joli fennec, alors. Hein. Ouais, elle a des gros seins, quoi. Voilà. Comme mon père? Plus, ouais. Ouais, comme mon père? Ouais. Oh putain, les seins.